Je suis Zineb, interne en radiologie à Paris et étudiante en e-santé et transformation digitale à Sorbonne Université. Comme beaucoup d'entre nous, j'ai été témoin des difficultés organisationnelles dans les services d'urgence en France. En effet, la question du système de soins fait la une des journaux depuis le Covid, même si en réalité les problèmes sont plus anciens. Et aujourd'hui, plus de 2 ans après le Covid, les hôpitaux ne parviennent toujours pas à se relever. Le journal Les Échos notait qu'en octobre 2021, à l'assistance publique hôpitaux de Paris, plus de 1000 infirmières manquaient à l'appel, soit 2 fois plus qu'en 2020. Un levier important dont on dispose aujourd'hui pour conserver des soins de qualité et aider les ressources humaines actuelles est d'utiliser la technologie, notamment via la digitalisation d'une partie du parcours patient, par exemple en automatisant le processus d'enregistrement et de tri médical des patients. C'est ainsi qu'en 2022, j'ai fondé Urge avec Malcolm de Butler et avec qui j'ai travaillé sur le développement d'un outil simple d'utilisation aussi bien pour les patients que pour les soignants. Concrètement, Urge est un outil d'auto-enregistrement et de tri automatique des patients aux urgences. Grâce à une tablette numérique installée à l'accueil et connectée à un lecteur de carte vitale, le patient peut s'enregistrer rapidement, puis répondre à des questions médicales simples qu'une infirmière lui aurait posées, permettant ainsi d'évaluer son état de gravité, et cela en utilisant un algorithme de tri basé sur l'échelle French de la Société française de médecine d'urgence. Le tout en moins de 5 minutes. Ces tablettes, également connectées à des outils de mesure des constantes vitales, permettent une évaluation objective de l'état de gravité du patient. Une fois cette opération terminée, les patients obtiennent une estimation de leur délai d'attente, pendant que les soignants peuvent s'organiser à l'aide de notre tableau de bord. Ainsi, ils bénéficient d'une vision claire et en temps réel du nombre de patients présents dans la salle d'attente, de leur motif de recours aux urgences et de leur état de gravité. La principale valeur ajoutée de Urge est donc la suppression de la saisie manuelle des données par le personnel hospitalier, permettant ainsi un gain de temps administratif et médical, tout en réduisant le risque d'erreur de saisie des données. En effet, notre solution permettrait de faire gagner 4 minutes par patient, soit annuellement un gain d'environ 1 million d'heures de soins à l'échelle nationale, ou l'équivalent du temps de travail de plus de 500 infirmiers. Par ailleurs, Urge permet de recentrer les soignants sur les activités de soins tout en diminuant le temps d'attente des patients. Enfin et surtout, Urge permet d'améliorer la qualité et la sécurité des soins.